Les Kumidachi, comme entre ma dernière vidéo, sont plus proches des anciennes méthodes et n'ont rien à voir avec le sport. En kendo ou en boxe, l'arbitre peut intervenir à certains moments pour séparer les compétiteurs. En kenjutsu, il n'y a pas de règles, tout est valable. Quand les sabres se croisent, tout vaut, y compris enlever son katana à l'adversaire, appliquer des luxations, projeter ou frapper. Mais d'après moi, si vous voulez battre l'adversaire, il est plus facile de rompre l'équilibre avec les katanas en lui donnant l'avantage. Dans cette position, sabre croisé, le plus important est de sentir et de contrôler le point de contact des deux lames. Si nous contrôlons ce point, nous contrôlons le combat, le sabre de l'adversaire et même l'adversaire lui-même. Pour sentir cela, les épaules et les bras doivent être totalement détendus. Nous devons utiliser les deux bras et contrôler la force de l'adversaire. C'est l'objectif de la pratique de ces Kumidachi. Quand je pratiquais ces Kumidachi avec Kono Sensei, j'avais la sensation qu'il absorbait mon énergie. Je pouvais en arriver à me sentir complètement ivre. Mais pour arriver à produire cette sensation sur quelqu'un, nous devons nous-mêmes être complètement ivres. Il est indispensable pour cela de travailler l'exercice mental de la visualisation. Nous devons imaginer que nous sommes ivres, comme le font les pratiquants du style de l'ivrogne du Kung Fu. Certaines écoles de karaté ont aussi des katas de l'ivrogne. Une des écoles de Kenjutsu, à l'origine de la nôtre, la Maniwa Wenryu, était également appelée Cobra et Lièvre, parce que ses mouvements ressemblaient à ceux d'un cobra. Je vais expliquer ce Kumidachi. Quand on pratique ce Kumidachi, le plus important est l'équilibre des bras. Il est également très important de sentir quand les deux Shinai se croisent, de sentir le type de force et de direction qu'exerce l'adversaire. L'adversaire a l'intention de couper. Pour cela, il imprime une force vers le bas. Si nous dévions la direction de la force exercée par l'adversaire, nous pouvons contre-attaquer à la tête. Comme ça. Je vais expliquer mon mouvement contre le sien. Et maintenant, nous profitons de la force de l'adversaire. Nous relâchons les bras et nous entrons en même temps. Projeter. Pivoter les deux bras avec le corps détendu, entrer et projeter. Il est très important de ne pas utiliser le bras seulement à gauche ou seulement à droite. C'est mauvais. Le centre, c'est au milieu de la tsuka. Pour cela, nous pivotons au centre de la tsuka, comme ça. Non. C'est comme conduire une voiture. Nous pouvons projeter l'adversaire dans n'importe quelle direction.
このまま潰すことになります。方向はいろいろですね。Quand l'adversaire est très fort, je ne peux pas le projeter vers l'avant. Dans ce cas-là, nous tirons sur lui et nous l'obligeons à tomber. Je vais maintenant expliquer le deuxième exemple. C'est la même idée que le premier. Laisser passer et avec la main gauche, saisir la tsuka de l'adversaire. Dans cet exemple, il est très fort. Donc, ne pas pousser. Il est presque impossible que nous projetions comme ceci. S'il est faible, nous le projetons comme ça. Je vais l'expliquer encore une fois. Quand on croise ici, laissez glisser comme ça. Nous croisons, nous sentons, nous baissons et saisir le centre de la tsuka, tout à la fois et de manière fluide. Seulement la main gauche, non, la main droite au centre, ici. Pivoter et projeter. Seulement la main droite, non. Seulement la gauche, non. Et pivoter, comme ça. Le mouvement avec tension n'est pas bon. Détendez-vous et pivotez doucement. Quand il est très fort, baissez bien et tirez en même temps. Autrement dit, l'important n'est pas seulement d'utiliser la main gauche ou la main droite. Se concentrer au centre de la tsuka, se défendre et faire le mouvement en une fois. Merci beaucoup.
Je vais expliquer une variante de Tomoenuki. Coupé deux fois. Nous pouvons le faire avec la jambe gauche devant. Je vais expliquer une autre variante. En courant. Dans cet exemple, il ne s'arrête pas. Pour cela, quand il coupe, c'est égal de couper avec la jambe gauche devant ou avec la droite. Il court sans s'arrêter. Je vais expliquer une autre variante. Dans ce mouvement, il ne s'arrête pas non plus. Comme ça, c'est mauvais. Il a à peine terminé la première coupe qu'il commence déjà la deuxième. Ne faites pas un et puis deux. Même si vous devez le faire lentement, le mouvement est continu. Si vous le faites rapidement, comme ça, c'est mauvais également. L'important, c'est de le faire sans arrêter et de sentir toutes les parties du corps. Cette technique peut être utilisée pour couper deux personnes. On peut également le faire en zigzag. Par exemple, si les ennemis sont séparés, nous coupons l'un d'un côté et l'autre de l'autre, comme ça. J'en ai fini avec l'explication de Tomoenuki. Merci beaucoup. Thank you.
Je vais expliquer Hayanuke, le dégainage rapide. Le mouvement est celui-ci. Dégainer rapidement et rengainer rapidement. Ici, nous marchons lentement et quelqu'un nous attaque par surprise. Nous allons contre-attaquer rapidement. On ne commence pas toujours depuis la position de Kamae. Nous devons toujours être prêts dans n'importe quelle situation. Il existe de nombreuses variantes. Par exemple, courir. Ou à partir de la position de Seiza. En marchant, en courant, assis, etc. La base, c'est comme ça. Mais nous devons avoir la capacité d'entrer dans la base, de la comprendre et d'en sortir. Notre corps n'est pas un robot. Le kamae de Kihon est très important, mais parvenir à sortir de la base l'est plus encore. Avec ça, nous parvenons à maîtriser plus facilement n'importe quelle situation. De nombreux styles d'arts martiaux proposent des entraînements spéciaux. Il faut pour cela disposer d'un équipement spécial, comme par exemple le mannequin de bois pour le Wing Chun, les Sichi ou les Sachi pour le Goju Ryu, ou les briques pour le Pakwa, sur lesquelles il marche. L'école Jikishinkage Ryu utilise un Boken particulier de 50 kg. J'ai moi-même pratiqué avec un Boken de 8 kg, et bien que ce ne soit pas trop difficile, cela donne d'excellents effets. De nos jours, même les sacs de sable adoptent les formes les plus diverses et sont fabriqués dans différents matériels. Il existe deux types d'équipements spéciaux. Ceux que nous utilisons pour fortifier le corps, tels que les Sichi, Sachi, le mannequin de bois, le Boken ou le sac de sable. Et ceux que nous utilisons pour perfectionner l'équilibre et les mouvements. Il paraît que l'un des entraînements spéciaux de karaté est la pratique du kata sur un papier mouillé sans le rompre. Bien que beaucoup de gens ne le croient pas. Celui qui y parvient dispose sans nul doute d'un niveau élevé, presque surhumain. Il y en a également qui pratiquent dans des zones très glissantes, telles que les pierres d'une rivière recouvertes de mousse ou de boue, ou sur un sol huileux. De mon point de vue, à part d'être un exercice très difficile, c'est extrêmement dangereux. On a déjà vu des karatékas glisser en réalisant ce type d'entraînement et se fracturer plusieurs côtes. En ce qui concerne ma propre école, les entraînements spéciaux se réalisent avec les Ichi Nageta et les Pion Pion, bottes sauteuses. Cet instrument fut inventé par le docteur Nakamatsu, l'un des scientifiques les plus importants à l'heure actuelle. Bien que conçu initialement comme un jouet, on envisagea également ses possibilités pour le jogging, car étant très souple, les pion pion sont bons pour les chevilles et les genoux. Actuellement, les équipes de taekwondo de Corée et des États-Unis ont également commencé à utiliser les pion pion et ont obtenu d'excellents résultats. Cependant, tandis qu'en taekwondo, l'objectif est de développer la musculature des jambes, dans mon école, nous essayons d'utiliser de moins en moins les muscles des jambes pour sauter avec les pion pion. Nous nous détendons. Nous essayons d'utiliser le Shimuzi, laisser tomber le corps suivant la force de la gravité
et nous essayons de faire en sorte que notre corps suive le mouvement des pion pion de manière à ce que ceci donne son impulsion au mouvement et que notre corps développe la sensibilité nécessaire pour suivre le mouvement en nous situant correctement. Quoi qu'il en soit, nous devons essayer de faire en sorte que notre corps et les pion pion forment un tout et pas deux entités différentes, qu'ils fonctionnent ensemble sans que l'un prédomine sur l'autre, afin de parvenir à ce que le corps suive les pion pion tout en les dirigeant. Pour tout cela, il y a deux types d'entraînement, Geta et pion pion, qui poursuivent des objectifs de musculation corporelle complètement opposés. Voici les pion pion. Je vais vous expliquer le type d'exercice et les avantages que nous pouvons tirer de ces chaussures spéciales. Nous devons d'abord nous détendre complètement et sauter alternativement à gauche et à droite. Ensuite, sauter deux fois sur chaque jambe. Puis, sauter sur les deux jambes. Diriger les pieds vers l'extérieur aide à développer les muscles de l'intérieur des jambes. Petit à petit, essayez de sauter le plus haut possible. L'entraînement avec les Geta consiste essentiellement à marcher avec les Geta au pied. Cela suffit. Pour atteindre le niveau Menkyo Kaiden, il faut parvenir à marcher dans le lit d'une rivière asséchée. Si l'on parvient à courir, on a alors atteint le niveau Soke du Geta Do. Si nous pratiquons avec assiduité, nous découvrirons que de nombreuses parties de notre corps sont endormies. Nous savons tous que notre corps possède certaines parties très sensibles et d'autres très peu sensibles. Par exemple, dans un traitement d'acupuncture, il y a des endroits du corps où l'on peut planter une aiguille pratiquement de la taille d'un clou à une profondeur de 4 ou 5 cm, tandis qu'il y a d'autres zones où le léger toucher d'une aiguille pas plus grosse qu'un cheveu provoque une grande douleur. Quoi qu'il en soit, l'entraînement avec les Geta a pour objectif prioritaire d'éveiller ces zones corporelles endormies. Il améliore en outre notre équilibre en mouvement et la connexion de nos hanches avec les genoux et les chevilles. Avec ce type d'entraînement, nous noterons une augmentation de la sensibilité de la plante des pieds. Cela dit, il faut faire attention à éviter les chutes et à ne pas provoquer des blessures aux chevilles et aux genoux. Voici les Geta. Je vais vous expliquer à quoi elles servent. L'entraînement lui-même est facile. On les chausse et on marche. Nous pouvons bien sûr pratiquer le Yaido avec les Geta.
mais il suffit de marcher avec les guettas pour développer l'équilibre. À l'arrêt, c'est plus difficile. Il faut faire attention aux obstacles. Lorsque nous marchons sur un obstacle, une pierre par exemple, si nous tombons, détendez-vous et adoucissez la chute en ôtant immédiatement la guetta. Nous le faisons comme ceci, de cette manière. Si nous continuons avec le guetta au pied, nous pouvons nous casser le pied ou provoquer des blessures graves. J'en ai terminé avec l'explication. Merci beaucoup. Les entraînements spéciaux ou secrets sont spécifiques à chaque discipline martiale. Chaque style possède les siens. Ils se sont développés au fil du temps et après des années et des années de pratique. Ces entraînements spéciaux sont apparemment très simples. Par exemple, mon groupe s'entraîne à Kesageri dès le début. Il s'agit seulement de couper à 45 degrés. Mais la compréhension correcte de Kesageri implique que nous ouvrions la poitrine, le hara, les chevilles, que nous fermions les genoux, que nous pivotions les hanches, etc. Nous devons bouger en même temps toutes les parties du corps dans différentes directions. C'est ce que me disait Kono-sensei, qui corrigeait tant de détails qu'il me rendait nerveux. J'ai compris ensuite que je devais assimiler le message moi-même, qui est ce qui s'est peut-être produit, lorsque j'ai senti que toutes les parties de mon corps étaient devenues indépendantes et qu'elles bougeaient à l'unisson, dans différentes directions, mais en participant toutes au mouvement. Pour que le mouvement arrive à être correct, nous devons d'abord construire correctement notre corps. Et pour cela, souvent, nous devons d'abord le détruire, puis ensuite le reconstruire. En déconstruisant le corps, nous améliorons très nettement le mouvement. Chaque discipline martiale a ses propres méthodes et ses entraînements spéciaux. Mais le plus important est le fait que Kihon Watsa et Kihon Kata comportent déjà tout ce dont nous avons besoin d'apprendre. Je vais expliquer ce type d'entraînement. Levez, laissez tomber et avant de toucher le col, coupez. N'envoyez pas en l'air. Nous avons cette distance pour couper. Pour cela, quand nous coupons, nous devons descendre. Saisis la tsuka plus doucement.
Comme ça, c'est mauvais. Pour un débutant, il vaut mieux commencer avec un sac. Avec une banane, le mouvement est très difficile à exécuter. Pour cela, avant de pratiquer, commencez avec un sac en plastique et ensuite, entraînez-vous avec une banane. Cette technique est bonne pour avoir une notion de la distance et de la vitesse du mouvement. Merci beaucoup. Hidari Wuki pratique avec katana du côté gauche. Dans les arts martiaux sans armes, judo, karaté, taekwondo, kung-fu, etc., nous pratiquons de la même manière chaque côté du corps, développant celui-ci de manière symétrique. Dans les arts martiaux avec armes, kenjutsu, yaido, sojutsu, cela n'arrive généralement pas. Ce qui se fait à gauche se fait presque toujours à gauche, et ce qui se fait à droite se fait presque toujours à droite. Les techniques de changement de main sont très claires. Cela fait que le corps se développe de manière inégale à gauche et à droite. En yaido, particulièrement, lorsque nous dégainons, la main gauche se trouve toujours sur le saya et la main droite sur le tsuba. Les yaidoka ont de ce fait généralement le bras droit plus fort et plus développé que le gauche. L'entraînement de Hidari Wuki permet de corriger ces déséquilibres corporels en stimulant différents muscles, y compris dans le côté droit. Thank you.
je vais vous expliquer à quoi sert cet entraînement de l'autre côté. Il est clair que l'on utilise le sabre du côté gauche. Comme ça, le corps est équilibré. S'entraîner avec le katana du côté droit est presque comme une thérapie pour l'équilibre du corps. Le faire du côté droit est un traitement de choc qui, comme tel, apporte de bons résultats. L'entraînement est simple. Nous faisons le même mouvement du côté gauche et du côté droit. Nous faisons ce kata comme ceci, de la même manière. Sakate Nuki, c'est pareil. J'ai terminé l'explication. Merci beaucoup. Je vais expliquer l'importance du stretching. Comme nous n'avons pas de katana, nous pouvons utiliser un jo. Jusqu'ici, imaginez que c'est la lame, Toshin. Jusqu'ici, imaginez que c'est la tsuka. À partir de cette position, nous pratiquons le kata. Si nos épaules sont tendues, il n'est pas possible de dégainer. Détendez les épaules. Ne pas saisir la tsuba avec force, mais souplement.
nous devons allonger un peu plus. Maintenant, nous faisons sakate. C'est nettement plus difficile. Saisissez la tsuka un peu plus bas. Nous pouvons également le faire de l'autre côté. Ceci est également très bon pour ouvrir les hanches et le corps. Il est certain que cet entraînement est plutôt dirigé vers le stretching. Mais lorsque nous passons au katana, nous sentons une plus grande détente, une plus grande vitesse et une plus grande fluidité dans les mouvements. Oyo Watsa, application technique. Normalement, le Yaido commence en Seiza, position d'assise sur les genoux. Dans mon groupe de travail, cependant, le travail principal se fait debout. Les Kamae se font presque toujours debout. Il est donc plus correct de les appeler Batojutsu. Dans les arts martiaux, nous devons être capables de nous battre dans n'importe quelle position. Assis, en marchant, en courant, vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés, ou même lorsque nous avons quelque chose en main. Si nous essayons d'appliquer Kihon Watsa, technique de base, dans une situation différente, elle ne fonctionnera pas. Si la situation varie, la technique devra également varier et s'adapter à celle-ci pour être efficace. Tomoe Nuke, par exemple, est une technique de base conçue pour couper les deux bras de l'adversaire lorsque celui-ci se trouve en Jodan no Kamae, mais qui peut également être employée pour blesser un adversaire de face ou de dos, voire même deux adversaires qui nous font face et un qui se trouve derrière nous. Nous apprenons ensuite le Kihon. Cela ne s'oublie jamais. C'est comme monter à vélo. Une fois que nous l'avons appris, nous pouvons faire des choses plus difficiles, comme sauter à saut de mouton ou nous plier en deux plus rapidement. En résumé, après avoir appris le Kihon, il sera plus facile d'évoluer et plus difficile d'oublier. Mais si l'on n'a pas compris le Kihon, rien de cela n'est possible. Il est essentiel d'entraîner la technique de base,